Bonjour, je m'appelle André Marcil, je suis juriste français et je fais les équivalences ici au Québec pour devenir avocat. Laure Foubeau-Hart, directrice des ressources professionnelles chez Mécart-Pitepo. Bonjour, mon nom est Frédéric Gascon, je suis une étudiante en droit en troisième année à l'Université de Montréal. Hugo Van Brandt-Huggen, je suis étudiant en deuxième année à l'Université de Montréal et bénévole pour la journée de carrière. Le profil des étudiants chez Mécart-Pitepo est quand même varié. Je dirais une passion pour le droit, une certaine drive, un désir de devenir d'excellents juristes et aussi ce sont des gens qui généralement aiment beaucoup travailler en équipe. Les valeurs que je recherche pour un cabinet d'avocat sont des valeurs humaines avant tout. C'est vraiment ce que je priorise. Pourquoi je priorise cette valeur humaine ? C'est parce que ça peut permettre à des équipes de se dépasser, de surpasser, même quand on est fatigué, qu'on est vraiment brûlé et qu'on est même stressé ou autre. Cet esprit vraiment d'humanité va permettre en fait de relever tous les défis. L'intégration que je recherche en premier, j'ai vraiment envie de me sentir la bienvenue dans le cabinet, j'ai envie de me sentir comme une partie de l'équipe. C'est certain que j'aurais envie que vraiment que ce soit formateur, c'est certain que ce l'est partout, mais c'est vraiment ça que j'aimerais, tu sais, puis développer mon autonomie rapidement. Le respect des étudiants, des stagiaires, si on sent qu'il y a une ouverture, qu'il y a un bon dynamisme dans toute l'entreprise. Les qualités que je vais mettre en avant seront mon dynamisme, ma rigueur dans le travail, mon acharnement, je dirais même, quand je ne comprends pas quelque chose, à essayer de comprendre. Le fait d'être décidé, je pense, extraverti, autonome, d'apprendre rapidement, d'être entreprenante, c'est ce que j'aimerais démontrer au cabinet. Ma curiosité, mon dynamisme. Les conseils pour la course au stage, je dirais bien se préparer, savoir pourquoi on a postulé un bureau et connaître le bureau autant que possible, faire sa recherche, que ce soit les sites web, rencontrer les gens, aller aux événements, pour déceler justement des points communs qu'on peut retrouver chez les avocats de ces bureaux-là, puis ensuite se dire, ben moi, je pense que je suis un peu comme ça, je pense que je quitterai, comme on dit, dans tel bureau.